Oh là! Oh là! Tu vas mieux, papa? Si! Bah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais, papa? Voilà, Chris. Je te laisse. Désolé, Nora. J'ai pas le choix. Les affaires. C'est... Désolé Nora, j'ai vraiment pas le choix. Désolé. Non. Pour la deuxième alliance. Fais appel à toi, Lucifer. Prends en grâce cette âme pour ramener notre cher Baron Helga. Puisses-tu entendre mes paroles? Sombre ad noctem, umbre ad lucem, in oscuro anime, equirote Helga, ex tenebris redes. Aterna vitae pulsus, in sanguine pactum facimus, anima tuam redimimus, ex morti uris, de ad non revo camus, atque arcano lingamus, per umbra aternae postatiam, per aternam tenebrum postatiam, tum nomen evoco, Helga. Revis gereg! Revis gereg! On était obligé. Et... Je dois être seul, Chris. Putain. C'était la meilleure solution.
devenait de plus en plus malade en plus. Elle se sentait purement. Oh merde! Avec le choix, Coyote. Oh, t'es obligé. Oh merde! Triste, qu'est-ce que tu dois faire? Oh merde, c'est le diable! Oh non! Oh Chris, putain! Merde! Non, putain, madre! Oh, banane! Nous nous prosternons, Baron. C'est Chris et Coyote, Baron. On vous a ramené. On n'avait pas le choix, Baron. Vous m'avez ramené. On n'avait pas le choix. Perdu. Nous étions perdus sans vous, Baron. Et ce n'était pas terminé, tout ce que vous avez entrepris. On a dû sacrifier une vie pour ramener la vôtre. Attendez, on est où, là? Allez à l'église d'Armadio. Vous m'avez ramené. Oui. Il y a un putain de rituel satanique. Oui. C'était les seuls moyens. On n'a pas réussi à ramener aussi. On a pu ramener que vous. C'est en train de me dire. Vous m'avez arraché un certain repos avec ma compagne. Parce que vous avez besoin que je vous tienne la main. Pour vous tenir la main. Est-ce que vous accomplissiez votre vengeance? On est votre serviteur. On sera toujours votre serviteur, quoi qu'il arrive. On mourra pour vous. Hein. C'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de mourir et de vous rejoindre là-haut. Je ne vais pas vous cacher. L'envie que j'ai de vous tuer là dans la santé. C'est bon. Pour rien à perdre de toute façon. Vous avez déjà perdu, vous la capitaine. De toute manière, on était à l'échec. Il va bien falloir que vous compreniez que. Que vous m'avez ressuscité par des forces. Que j'ai combattu toute ma putain de vie, Chris. On a pas voulu faire autrement, mais. Est-ce les forces du mal qui répondent? Essayez de prier Dieu. Sans vain. Y'a que lui. Prie pas Dieu pour résurrecter des gens. On a besoin de vous, Balan. C'est tout. On est perdu, on sait plus quoi faire. Sans vous, sans votre voix. Et moi, qu'est-ce que je fais sans Eleanor? S'il faut tenter, on retentera. On vous la ramènera avec. Je vous l'interdis. Laissez-la se reposer en paix, comme moi j'aurais dû le faire. Qu'est-ce que vous voulez de moi exactement? Si vous voyez Armadio, ce qu'il est devenu, c'est du grand n'importe quoi depuis que vous êtes là. Et on n'arrive pas à accepter ça. Expliquez-vous. Il y a un remaniement qui a été fait au sein des Scorpions. Billy Chamberlain est devenu notre baron. Mais. Votre quoi? Notre baron. C'est fait ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ou c'est blanc, ou c'est noir. C'est pas comme ça que vous nous avez inculqué les Scorpions. Et je veux vous dire aussi que certains ont eu de la peine à votre mort, mais sont réjouis derrière. Qui cela? Sortir. Zenith.
crèverez, j'imagine. Ouais. Et il y a aussi une ancienne amie à vous. Bienvenue dans le pays. Qui est l'homme ? Adrienne de la Vélardière. Pourquoi pas ? Elle est venue à Armadio, en tout cas. Je vous assure que si. Ainsi que deux autres personnes avec elle, Geneviève et un certain cocher Marius. Je pensais l'avoir tué. C'était bien 10 ans de cela. L'Allemagne. C'est elle nous avait raconté tout ça. Bordel ne commence. C'est elle a dit qu'elle vous connaissait tout ça. Il n'a pas très bien compris, mais je sais qu'elle vous connaît. Elle vous parle pas dans son cœur non plus. Je l'ai poignardée, je pensais que c'était fini. Et elle est encore vivante. Oui. Comme quoi, il y a bien que les mauvaises herbes qui arrivent à revenir. Vous attendez quoi de moi, que je... que je comprenne les reines du scorpion ? Que tous vos anciens ennemis que... pense... vous pouvez... les rendre fous. Et les forcer peut-être... effectuer certaines choses. Et que, si vous pouvez, quand on est tous Armadio, vous montrer, faire voir à Billy qui se trompe complètement. J'ai une question assez simple. Est-ce que, après ma mort et celle de Eleanor, vous avez pris la peine de tuer le reste des traîtres ? Bon, on a appris qu'ils se cachaient très bien et il y en a d'autres. C'est comme s'ils étaient morts, quoi. Mais après... on n'a pas la confirmation. Mélanie. Il allait laisser partir. C'est volatilisé. Elle est toujours en vie. Si. Est-il de Pearl ? Si aussi. Et 8. Également. Disparu. Si. Y a-t-il d'autres traîtres au compteur, si je dis ? Au sein des scorpions, en tout cas. Appleton. Bon. Suite à ce qui s'est passé, Templeton l'a suivi dans la zone qui suivait. J'ai une question somme toute simple, mais est-ce que les marcheurs ont-ils marché sur Armadio ou est-ce que vous avez dû reconstruire ensuite ? Pas du tout, ils sont jamais venus. Et il y a eu une expédition jeudi dernier. Pas chutil. Et beaucoup de personnes sont montées en Barino, dans les lieux sacrés où les marcheurs blancs s'y trouvaient. Apparemment, c'était une boucherie, mais apparemment, ce n'est fini des marcheurs blancs. Qu'en est-il de Lulus ? Toujours en vie. Vous avez veillé sur elle ? Oh oui. On a eu quelques petits incidents à cause de Chamberlain hier, du fait que Lulus est un peu gravement blessé. Un peu gravement blessé ? Ouais, c'est une grosse plaie, mais elle tient le coup. Si je peux faire clair, Baron, Chamberlain a vu un acheteur dans le cimetière de Blackwater. Un marchand, je veux dire. Dans le cimetière de Blackwater, et a voulu avoir une arme en sa possession, sauf que le marchand lui a proposé de ramener une âme. Comment dire ? En échange, oui. Sauf que Chamberlain n'a pas voulu, a voulu redonner l'arme. Et ça n'a pas plu au marchand. Il nous a lâché des esprits aussi forts que l'un que les autres. On a dû affronter le boucher. Et justement, Lulus a été blessé. Coyote a été blessé aussi. Tout ça pour un putain de fusil, on a failli tout s'y passer. Ce qui est amusant, c'est que au final, vous ne cessez de jouer avec les portes obscures qui vous échappent. C'est... Bon, on va pas le choix. Vous-même. Excusez-moi. Je vais vous aider en certaines tâches. En certaines. Et ce que je tiens
à faire au final, c'est retrouver ma compagne. Entendu, Paul. Comme on vous l'a dit, on est vos serviteurs. Bien. Même si on doit aller jusqu'en enfer. Tant pis. L'enfer sera peut-être mieux que ce monde de merde. Oh, mais là, avec ce que vous venez de faire, croyez bien que vous irez. Si. Et que celui qui m'accompagne vous prenne, Joam. Qu'il en soit ainsi. Comme passe cette... gamine que vous avez sacrifiée. Lui offrir une sépulture digne de ce nom. C'est entendu. On va aller enterrer vers Tom Bedwitz, c'est là-haut. Elle a vécu. C'est. L'art est comme différent. Chose a changé au Mexique, vu que vous êtes parti. Très différent. Il nous prend pour des lâches maintenant. La réputation du scorpion. On est des faibles. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est vous trois que j'avais nommé à la tête du scorpion, pas juste Chamberlain. C'était vous l'âme du scorpion, Balon. Vous, le capitaine. Vous la représentiez aussi parfaitement. Je sais pas. Depuis que vous êtes plus là, on est perdu. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin de vous, moi, tout court. Vous étiez mon nouveau capitaine, mon nouvel général. Et bien, on va trouver un putain de bout dans cette vie et vous êtes parlé de manière comme ça. On s'est dit de revenir avec les forces du mal. Pas le choix, on doit traiter avec eux pour vous faire revenir. On n'avait pas le choix, voilà. Sans vous, on n'est rien. On est des hommes perdus, on ne sait pas quoi faire. Vous étiez une femme forte. Vous savez quoi faire avec vous. Comme dit, je compte bien. Vous êtes dans une certaine mesure. Moi aussi, j'ai des choses à finir ici. Si, on fera tout ce que vous voulez, Balon. Je ne tirerai pas de mes mains. On le fera pour vous. Mais croyez bien que ce qui attend ces gens, et peut-être même vous-même, est bien pire que la mort. Si. C'est quoi tous ces objets qui traînent ? C'est ces objets qu'on a trouvés. En votre honneur, les alliances que vous deviez remettre à la capitaine, une photo de vous, un revolver, enfin un pistolet, une balle. Vous avez fouillé dans mes affaires, en somme. Non, Baron, on n'a pas fouillé. Jusqu'au remettait un coup de propre et on est tombé dessus. Mein Gott. Dernière question. Oui. Maintenant que vous avez fait cela, croyez-vous toujours en Dieu? Dieu, ça fait longtemps que je l'ai abandonné. Je vois que du coup, prier hier en face des esprits, ça ne menait à rien. Ça a juste renforcé ma conviction que Dieu nous a complètement lâchés sur ces terres. Il y a une phrase que j'adore et qui est tout à fait appropriée. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est... Oh, oui. Ah, je crois qu'on sera un duo de la dualité. C'est Chris qui a fait le rituel pour les diablos.
malgré que malgré tout, il a essayé de l'en dissuader. Mais pour certaines choses qui se passent dans ce monde, je crois qu'aussi bien Dios que le diable doivent parfois travailler ensemble. Lequel d'entre vous a récité? C'est moi, Baron. C'est... Sur quoi êtes-vous tombé pour faire ça? Ah, livre noir. Qui était avec vos affaires. La Bible noire de Monsieur Lynch. C'est ça. C'est tombé sur la note qui... Et dedans. Sur tout ce qu'il y avait, oui. Félicitations, Chris. Vous êtes à présent au même niveau que Monsieur Lynch. Foucault aussi. Si on soit ainsi. Ça veut dire quoi, en fait? Je ne connais pas de Monsieur Lynch. Vous êtes embarqué. Vous n'avez pas touché tout ça, mais vous y avez participé. Cela est largement suffisant. Ah, que votre présence ici, en ce putain de lieu impie qui aurait dû être détruit depuis bien longtemps. Rien que cela, Touko, vous avez condamné votre homme. Oui, mais je crois de toute façon que l'homme de Touko était déjà perdu. Oh, elle ne l'était guère. Sauf que je la vois à présent. Et je vous dis que le diable a déjà la main dessus. C'est... Comme il voulait dire qu'il en soit d'assez. Si on doit mourir, aller chez le diable, on le fera. Mais je continuerai à croire que... Que Dios peut donner une seconde chance. Mais ici, c'est vrai que ça va être compliqué. Je ferai... J'assumerai les conséquences de mes actes. Comme il voulait dire, on l'a fait pour vous. Vous êtes notre chef. Si je dois mourir pour vous, aller chez le diable, je le ferai. Eh bien, je vais vous donner un premier ordre. Ce foutu bouquin, vous allez le brûler. Très bien, Baron. Si. Si vous en avez la force. Voilà. On va essayer. J'espère c'est votre fardeau à présent. Ce n'est plus le mien. Claro. Je l'ai subi pendant suffisamment d'années. Qui se trouve à Armadio? Une nouvelle recrue, il me semble que Willis y est encore. Je sais que du coup, Chamberlain et Lulu sont partis chercher votre pire ennemi. Mon pire ennemi? Adrienne. Elle a des comptes à rendre avec eux, mais pas très bien compris. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de faire en sorte que les traîtres payent. Quant à vous, comme je l'ai dit, vous allez enterrer cette gamine et brûler ce bouquin. Ça, c'est parfait. Nous nous reverrons. Et quand je dis nous, je ne parle pas que de notre homme. Si. Au revoir, Sénèf. Bientôt, Baron. Baron. Putain, tu crois que c'est une bonne idée, tu crois? Non, on est maudit. Au moins, ça va être fini. Je l'espère, Chris. On sera guidé, mais pas. Je l'espère, putain. Je te suis, je veux bien te suivre jusqu'à l'enfer, mais quand même. Tu m'as sauvé la vie, il n'y a pas le choix. Et non, soit ainsi, Seigneur. La vie, on va l'enterrer. Si. Putain. Non, là. De Dios, qu'est-ce qu'on a fait, putain madre. Putain madre, Chris. Oh, santé Dios!
On est maudits, putain, c'est fini là. Les diables, ils sont nous là, putain madre. Oh putain, vas-y, tu peux te me tuer, j'en ai rien à foutre. Putain. Pas bien si, cabron. Vas-y, il était sûr, Chris. Dans son derrière, un peu craigné. Regarde sur ma carte, c'est cœur de l'intérieur. Putain, madre. On allait se promener, elle dit qu'elle aimait bien la petite maison devant le lac de Rolio. C'est ok, on est tous là. Il y a toujours un serviteur pour toi. Les âmes damnées. Notre homme était déjà perdu. Il tient un peu plus ou un peu moins. Au moins là, c'est qu'on va mourir pour quelque chose de bon. Face au lac. C'est ok. Bien. Il y avait que le... Pour le noir là. Putain, madre, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, je suis désolé. Si, ça devrait aller. Pour que le Sharingan ne trouve pas son petit corps. Désolé, non. Dios, ma nouvelle fille, putain. Je suis désolé. Je suis désolé, non. Je peux pas rester, Chris, je suis désolé, putain. Qu'est-ce qu'on a fait? Putain, madre. Putain, Chris. On va faire, putain. C'est pas... Putain, on a tout et nous là, hein, pour les diablos, tout ça. Tu crois que c'était une bonne solution, putain?
Elle était obligée. Et dans tous les cas, la pauvre, elle ne savait pas comment elle souffrait. On était Si. obligée. On a juste rendu un service pour nous et pour elle. La pauvre, tu la voulais la voir tous les jours, comme ça, cracher du sang, mourir. À On va l'offrir pour le diable. Ça, je suis pas d'accord. Chris, je crois qu'on a pas une erreur. Putain. Oh ta madre. Adieu, Nora. On se reverra jamais. Toi, tu es là aussi à la côté de Dieu. Papa, tu côté de l'orphore. À jamais. Adios. Putain, Chris. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend les ordres. Et on va tout ranger. Et tu vas encore brûler ce livre de merde. De merde. Un endroit peut-être je sais pas si ça sert encore à grand chose, mais trouver une église, peut-être brûler le livre dedans. Tu dois le brûler, c'est tout. Ça, c'est ton travail, pas le mien.